Ce samedi 29 avril, France 3 diffusera en prime time Nouveau Meurtre à Saint-Malo, avec Bruno Solo et Louise Monod. L'occasion de s'intéresser à la vie sentimentale de la jolie brune, en couple avec un autre acteur très connu du grand public. Ce mercredi 7 février, les amoureux de nouveautés pourront se poser devant Tout cela je te le donnerai, mini-série inédite diffusée sur France 2. Le pitch, une nuit, Manuel Ortigosa, écrivain parisien de renom, apprend que son mari, Émeric Fabre, vient d'être retrouvé mort dans un accident de voiture sur une route de campagne près d'Aix-en-Provence. Sur place, il découvre qu'un pan entier de la vie de son mari lui était inconnu. Émeric avait repris en secret le domaine viticole de sa famille, avec laquelle il disait avoir rompu depuis une vingtaine d'années, explique Télé Loisirs. Au casting, quelques noms bien connus des téléspectateurs. Il y a d'abord Bruno Solo et David Kamenos, qui se partagent les premiers rôles. Autre figure du cinéma présente au casting, Louise Monod. L'actrice de 42 ans peut se vanter sans mal de son CV, avec des rôles dans des films à succès comme OSS 117, Prête-moi ta main, Les petits mouchoirs, ou encore La vie devant nous. Et à la maison, elle peut parler cinéma et secrets de tournage. Son compagnon, star de la série Engrenage. En effet, son célèbre compagnon est également acteur. Depuis 2012, la ravissante brune vit le parfait amour avec Samir Boitard, rencontré sur le tournage du téléfilm intitulé Où es-tu maintenant ? Une adaptation du roman de l'écrivaine américaine à succès Mary Higgins Clark. Un film policier déjà, dans lequel la comédienne interprétait le personnage de Caroline. Le comédien a lui été révélé au grand public dans la série culte Engrenage, incarnant le flic infiltré Sami Bouchara. Il a ensuite été vu au casting d'un grand nombre de séries très populaires auprès du grand public, Ripolis Scientifique, Boulevard du Palais, K1, Zone Blanche, Ils étaient 10, Sam, et très récemment dans OPJ, Pacifique Sud. On a aussi pu le voir aux côtés de Catherine Marshall et Ophélia Kolb dans la regrettée série On va s'aimer un peu, beaucoup. On le verra cette année dans le téléfilm La fille de l'assassin aux côtés de Bruno Volkovitch et Nicolas Gob. Louise Monod et Samir Boitard n'ont manifestement rien contre le fait de se donner la réplique, puisqu'ils se sont retrouvés sur le tournage du téléfilm Mémoire de sang. Pour sceller leur amour, ils ont accueilli une petite fille, en novembre 2016, baptisée Lila. La petite sœur de cette dernière, Selma, est née au beau milieu de la pandémie de Covid-19, en septembre 2020.